Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être l'unboxing d'un pull Kenzo commandé sur le site iOffer. Donc je l'ai reçu en 2 semaines et demie et je l'ai payé 23 €. Donc je vais vous faire le déballage. Donc j'ai déjà déballé, il y avait un petit papier comme ça, donc je vous montre presque ce qu'il y a écrit. Donc voilà. Donc on le reçoit, donc c'est un petit sac Kenzo comme ça, franchement ça c'est nickel. Alors attendez, ça va être un peu galère parce que j'ai plus de voilà. Hop, donc voilà le petit sac Kenzo. Voilà, tac. Franchement ça c'est vraiment nickel. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le pull. Donc le pull est blanc, il est tout blanc, enfin tout blanc, il y a le tigre au milieu quoi. Hop, alors voilà, franchement c'est vraiment de la très très bonne qualité, je suis assez étonné pour 23 €, franchement il n'y a rien à dire. Donc en haut, donc j'ai enlevé, il y avait la petite étiquette comme ça Kenzo, voilà. Paris. Ensuite, donc là, il y a l'étiquette Kenzo taille L. Donc moi, j'ai pris deux tailles au-dessus. Je vous conseille de prendre deux tailles au-dessus parce que ça taille très petit. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu. Voilà les manches. Franchement, la qualité est très bien. C'est du 100% coton. Même les coutures, il n'y a rien à dire. Non, là, je vais vous montrer, voilà. Franchement, il est très beau. Donc ça, c'est brodé. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. L'intérieur, ça fait comme ça, voilà. Donc même à l'intérieur, il n'y a pas trop de fil qui dépasse ni rien. Voilà. Je vais vous montrer l'arrière. À l'arrière, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout blanc. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien du vendeur dans la description. De toute façon, des pulls Kenzo, du Kenzo, il y en a plein sur iOffer, il n'y a que ça. Donc, voilà, je vous remonte un peu ça. Vraiment, il n'y a pas de fil qui dépasse ni rien, ça, je suis resté choqué. Vraiment, les coutures, elles sont nickel, il n'y a vraiment rien à dire. C'est un truc de fou. Hop, je vous fais une petite vue d'ensemble. Voilà. Donc vraiment, rien à dire. En plus, il a respecté les couleurs. C'est les mêmes couleurs qu'il y a sur la photo du vendeur. Parce que des fois, ils envoient des mauvaises couleurs ou tout ça. Donc vraiment, rien à dire. Donc comme j'ai dit, un conseil, prenez deux tailles au-dessus. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je fais du S, normalement j'ai pris du L. Voilà. Donc voilà, il me va pile poil le pull. Donc voilà. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Soyez présents. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. Et puis à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.